Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de partenariat. Oui, j'ai ouvert, mais c'est parce que j'attends 5 ou 6 partenariats et ils se sont tous réveillés en même temps là, avec l'approche de l'été. Donc il fallait que je sache lequel c'est. Et donc c'est le partenaire le plus fidèle de la chaîne, c'est Godfell. Donc ils m'ont recontacté pour un partenariat, donc j'ai choisi 3 objets cette fois-ci. Vous savez, les dernières fois chez Godfell, j'ai beaucoup pris des boîtes de rangement Kallax et là donc j'ai décidé de changer un peu. Et donc on va commencer par, parce que j'ai 2 toiles et un objet, on va commencer par une toile. Alors, c'est une toile en diamant spéciaux qui m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vue. Je vais pas m'en cacher. Hop, si j'arrive à la sortir. Désolée pour les toutous qui aboient. Hop. Et donc c'est quoi? C'est un petit hippocampe. Je sais pas, j'étais en mode été, plage, la mer et je dois dire que ce petit hippocampe là il me plaisait beaucoup. Donc c'est un partiel, hein, un diamant spécial. Vous voyez, je vais vous le mettre d'un petit peu plus près pour que vous voyez l'impression qui est nickel pour les symboles. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi placer. Au niveau de la colle, je ne sais pas si replacer, mais oh, ça colle très très bien. Après, au niveau des diamants, donc on a quand même 20 diamants différents. C'est carrément pas mal. Hein. Tout le kit, on a le tout le kit de base. Et on va regarder du coup ces diamants, puisque là, 20 diamants, il est quand même pas bien grand. Hein. Ils annoncent un 25 x 40, c'est avec les bords. Hein. Et il ne fait pas tout le fond, donc 20 références de diamants, c'est pas mal. Hein. Alors, désolé pour le bruit. Ok, pas collé. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a comme diamant sur ce... Oh là là, cette ribambelle n'en finit plus. Alors, on a des petits... Enfin, c'est des diamants, ça fait des strass, mais ils sont plus grands que les strass classiques, en jaune. On en a d'autres, ben, presque pareils, mais hein, enfin, les mêmes, mais en plus grand, de nouveau. On en a dans un jaune plus clair et encore plus grand. On a des gros dômes à facettes bleues, ils sont très très jolis ceux-là. On a des moyens dômes à facettes bleues clair. On a des strass plus grands que les diamants... quand même relativement petit, bleu. On a des dômes. Ils sont, c'est pas tout à fait orange, ils sont jaunes orangés. Nacrés comme ça. On a des dômes à facettes vertes, des dômes à facettes bleu foncé. On a des strass classico-classiques, cette fois-ci argentés. Des roses foncés. Oh, j'ai pas vu ça, regardez. On a des petits cœurs jaunes à facettes. C'est trop mignon, j'en ai jamais eu, je crois, des comme ça. Je sais pas où ils vont, je vois pas trop quoi. Ah si, j'en vois en forme de cœur, là. Deux petits. Vous allez me dire, il y en a deux à placer? Mais écoutez, il doit y en avoir à peu près deux. Peut-être j'en loupe un, mais... deux à placer et t'as tout ça, c'est généreux. On a des strass jaunes, des... bon, des diamants noirs, tout classique. Des petites amandes champagne, un peu comme ça. Des petits strass rouge rosé, des bleus foncés, d'autres petites amandes rose pâle et des dômes nacrés blancs à baie, comme ça. C'est très très joli. Bah écoutez, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal, ils ont l'air d'être assez, assez généreux avec la quantité de diamants. Hein. Donc je suis bien contente. Il y a quoi faire dans ce dépôt, je pense. Largement. Donc on va le ranger. Voilà. Hop, hop, hop. Ensuite, on va alterner, donc on va pas prendre la dernière fois, on va prendre l'objet en diamant spéciaux. Ah, alors ça vient comme ça. Dans une petite boîte marquée Diamond Painting. Voilà, et je vais vous montrer ce que c'est. Hop, c'est sur cadre déjà. Bon, j'ai vidé, oui. Et on a donc
le petit cadre qui est promu. Et là, il y a une petite toile. Hop. Alors, c'est pas vraiment un objet en diamant spéciaux. Hein. C'est un peu une toile, mais elle est sur cadre. Et vous connaissez mon amour pour les licornes. Ben voilà, quand j'ai vu cette petite licorne là, écoutez, comment vouliez-vous que je résiste? Elle est juste super chou. Elle est juste beaucoup trop chou. Il y a des petits diamants en forme de cœur dedans aussi et tout. Enfin, non, beaucoup trop mignonne. Petite et voilà, en mode pour faire une pause. Ça colle très bien entre deux toiles et tout. C'est trop mignon. L'impression, elle est nickel. Regardez-moi cette bouille. Tout le kit de base. Toujours avec. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a comme petit strass. Oh là là, je vois les petits cœurs. Je sais que j'en ai déjà eu des petits cœurs roses et j'adore. C'est trop mignon. Alors, on a dans deux diamants blancs classico-classique. On a les petits cœurs roses à facettes là qui sont beaucoup trop choux. On a des strass roses, évidemment, et on en a pas mal. Oh, on a des petites étoiles, je les avais pas vues. Mais où est-ce qu'il y a des étoiles là-dedans? C'est quel numéro? Attendez. Numéro 5. What? Mais où est-ce qu'il y a des étoiles? Mais j'en vois même pas. Ah si! Ok, là, il y a une petite étoile ici. Une là, une là, une là. Donc on a quatre petites étoiles à poser. Ouais, ils sont généreux, hein, on en a pas mal. On a des petits, des plus grands dômes à facettes roses, des strass jaunes et des strass roses. Ok, bah écoutez, c'est trop mignon. J'avais même pas vu, j'avais capté à la commande qu'il y avait les petits cœurs, hein. Mais les petites étoiles, je l'avais pas vu. C'est encore plus chou que ce que je pensais. J'aime trop. Et j'aime trop, trop, trop. Alors, on va le ranger. Voilà. Hop. Enfin, si j'y arrive. J'y arrive parce que le papier est tellement fin là. Ah, j'ai réussi à le remettre dans son passé. Hop. Et donc, on va remettre ça dans sa petite boîte. Pour ça, mignon que ça vienne avec le petit cadre. Et puis, si vous avez des enfants. Donc... C'est une petite activité sympa à faire. Pour après mettre dans notre chambre ou quoi. J'aime beaucoup. Et donc, on va passer à la dernière chose qu'il y avait. C'est également une toile. Hop, c'est pour vous coller ça. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Et j'ai changé un peu cette fois-ci sur cette commande. Des diamants, enfin des objets spéciaux, mais pas de ce que je prends en général parce qu'on est quand même sur un mandala. Et oui, j'aime bien les mandalas. Là, tout kit de base. Et donc là on est sur un mandala. Ah, il est à l'envers en plus, c'est pas très grave pour un mandala, mais on est sur un 33. Je vais juste essayer de taffiner un petit peu. Voilà la bosse ici, nickel, ici, ici, un petit peu plié. Voilà, et là aussi, c'est un peu plié. Ok, on est bon. Voilà, je vais le mettre au centre. Donc là, on a un petit mandala. Il change un peu, il est sur fond noir comme ça par rapport à ce que j'ai d'habitude. Mais je crois qu'il montrait le résultat fini et j'aimais bien ce que ça donnait sur le résultat fini. Il y a pas mal de diamants. Hein, parce que là, il y a quand même 17 références. Mais pas mal aussi. Et il y a plein de choses différentes, vous allez voir. Donc on a du strass rose en veux-tu, en voilà, de l'argenté. On a des petits dômes à facettes argentées, enfin des moyens dômes à facettes argentées, des petits dômes à facettes argentées. Des moyens dômes à facettes roses et des petites dômes à facettes roses. On a des... Ça, j'en ai jamais eu. C'est vraiment des gros dômes nacré blanc comme ça. Mais il n'y a pas le côté AB multicolore. C'est vraiment du blanc nacré, une perle, quoi. J'aime beaucoup. Des petits dômes à facettes saumon, des petits diamants, des petits strass roses. On a un énorme...
dôme perle comme ça, un peu transparent. Je pense qu'il doit aller au milieu. On a des gros ovales à facettes. J'en ai jamais eu rose comme ça. Des petites gouttes de l'enfer argentées, bien sûr. Des grosses gouttes, des grosses gouttes roses à facettes. Des petites gouttes roses à facettes. Mais ceux-là, ils sont pas à facettes, justement. Je m'y perds. Des gouttes roses. Des gouttes roses foncées à facettes cette fois-ci. Encore des ovales. Ah oui, mais ils sont plus petits, vous voyez. Des ovales à facettes roses. Et de magnifiques gouttes à facettes AB transparentes. Ce mélange de rose et de transparent, j'avoue que j'ai bien craqué dessus. Ça me parlait quand je l'ai vu sur le site, ça me parlait bien. Donc voilà, c'est tout pour cet unboxing partenariat avec Gurfell. Hop, j'enlève ça. Voilà. Donc c'est tout pour ce partenariat. Je les remercie encore beaucoup pour leur confiance. Les liens des produits et du site sont en description. Comme toujours, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. En description, il y a également les liens pour tous mes réseaux, pour la chaîne Twitch pour les lives les lundis, à 20h30, la boutique. Il y a tout en description, allez y faire un tour. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Vous rappelez qu'il faut jamais s'arrêter de briller. Bye tout le monde!